Ouais, comment ça va tout le monde? C'est Gigit 259. Vous êtes avec moi les youtubeurs? Moi je suis avec vous. Et salut à tous, c'est Gigit 259 et nous sommes partis pour la suite de ce let's play sur Super Ghouls and Ghosts. Alors, donc nous reprenons quatrième monde. Enfin plutôt niveau j'ai envie de dire. Qui est l'un de mes niveaux favoris. Et qui est super méga difficile of the dead. Je dis ça à chaque fois, mais... Attendez. Oh là là. Et là, j'ai géré. Faut dire ce qui est. Merde. Donc, ouais, les monstres, ils repopent à l'infini. Non. Donc voilà, pourquoi il est difficile. En fait, les structures se transforment. Et il faut être super méga rapide. Non. Oh putain. Et il est franchement dégueulasse. La musique, elle est... Non, je m'en souviens plus. Ah oui. Quoique ça va pas m'aider en fait. Oh shit. Ah là j'ai eu de la chance. Bref, faut que j'arrête de chantonner là. Non. Ils font chier ces monstres. Sérieux, ils font chier. Ouh. Ok. Là, il y aura... vous voyez le petit crâne d'os? Et ben en fait, ça se transforme en monstre. Regardez. Hop. Merde, je suis vraiment trop con, là. Ah, je suis vraiment... Con putain. Moi, je vais me faire plaisir, hein. Je vais prendre le coffre. Ouais, voilà. C'est quand même mieux hein, avec une armure. Est-ce qu'on calbute, bof quoi. Merde, mais putain. Je suis vraiment trop nul. Ah, c'est abusé. Ah, je suis vraiment, franchement deg. Non, merde. Oh putain, le con. Voilà, j'ai voulu toucher mon micro de merde. Et je me suis fait niquer en beauté, c'est abusé là. Putain, vas-y que je reprends depuis le début, truc de ouf. Bon bref. En speedrun. Oui donc... Donc comme vous avez pu le voir... En gros ça vous... Dès que si vous le touchez, vous perdez de la vie quoi. Vous faites overniquer quoi. C'était quoi ce bruit bizarre? Là, je suis mort. Ah non, c'est bon. Oh putain, et sérieux? GG quoi. Hop. Je préfère regarder mon petit truc. Franchement, il est super trop cool. Pour moi, c'est la meilleure arme ce truc. Enfin, je pense pas, non, mais. Enfin, pour moi quoi. Hop. Ok. De temps en temps, je remets bien mon casque, mais le problème, c'est que non seulement je perds les touches, mais en plus, je peux me faire niquer, donc... Allez, yes. Hop. C'est plus rapide comme ça. Tout. La bande-son est franchement géniale, y a rien à dire. Non seulement elle est géniale, mais en plus... Ah, j'aime bien cette arme. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est à partir d'un certain moment où vous dépassez une certaine limite que vous... que ça se transforme, quoi. Oh! C'est une blague, là? Donc là, c'est une porte. Bizarre. Je le conçois bien. Donc ici, c'est franchement dégueulasse. La plateforme bouge. Voilà, et après, ça fait des trucs bizarres. Il y a de la vapeur violette qui sort des trucs, c'est dégueulasse. Voilà, regardez. Mon dieu. C'est compliqué. Enfin, c'est difficile, quoi. Mais c'est compliqué. Hop. Il faut faire très attention. Oh, merde.
Ah, j'avais zappé que ça disparaissait comme ça d'un coup. Ok. Oh! Alors, à un moment, il y aura une porte, en fait, il faudra sauter dessus. Sans sneaker. Oh putain, ça bouge! Ok. Là, j'ai failli mourir. Honnêtement, j'ai failli mourir. Alors ici, il y a un monstre qui va apparaître, mais en fait, on va pas trop le voir. Oh bah, j'ai tué! Ok! C'est surtout ces petites bestioles qu'il faut vraiment faire attention, parce que... Là, voilà la porte. On est dû au boss? Non. C'est pas le boss. Non. C'est le boss. Ok. Donc c'est une sorte de dragon. LOL. Ok. Donc le niveau, mon niveau préféré, le niveau qui est censé être le plus difficile selon moi, je l'ai terminé en 6 minutes. C'est une blague. Bon bah du coup on va continuer, hein, on va faire la suite, un truc à faire. Bah, du coup c'est Let's Play, il n'aura pas beaucoup de... Attends, donc nous avons fini le niveau 4, là nous allons faire le 5. Après il reste 6, 7 et le 8. Il va pas être très long ce Let's Play, dis donc. Donc le niveau de neige. La musique elle est géniale. De toute façon, les musiques de ce jeu sont géniales, y a pas à dire. Y a vraiment pas à dire quoi. Ok. Donc bon, les monstres ne changent pas vraiment, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment toujours la même chose, sauf qu'ils changent de couleur. Ok. Ah, je ne savais plus comment on faisait en fait, donc ça me paraissait inévitable que je me fasse niquer la goule. Non ! Voilà, je me suis fait totally dead. Totally défoncé, pardon. bon bah c'est cool quoi. C'est cool. Non, il faut que je passe en fait. Putain, mais franchement, Guillaume, fais plus attention à ce que tu fais, quoi. Voilà, bah regardez. Ok. C'est pas vrai. J'ai mal joué, là, j'ai mal joué. Et il me reste que 4 vies. Génial. Ok. Bon. Je vais essayer de faire en sorte de pas mourir comme une merde, mais bon. Et bien là, je ne sais plus comment on fait. Génial. Ok. J'ai trouvé. Au hasard, faut le dire. J'ai essayé d'avoir la plante de loin, mais ça ne fonctionnait pas. Non ! Oh merde ! Ah la truie ! Ah bordel ! C'est impossible. Comment je vais faire ? Non! Alors ça c'est une morconne. Ah faut dire ce qui est, c'est une morconne. Putain, je me fais défoncer au cinquième niveau quoi. Il me reste que 3 vies. Allez, là faut que je joue bien. Allez, vas-y, je vais tous les défoncer, truc de ouf. J'ai failli me faire défoncer, mais bon c'est pas grave. Allez, c'est parti là. Je défonce tout, truc de ouf. Je dépasse toute la foule. Ok. D'accord. Je me fais surtout niquer comme une merde.
possible ça. C'est quoi ce bruit bizarre? Oh merde! Putain, et celui-là. Merde. Non, mais il faut que tu tires en l'air, cocotte. Comme ça, c'est bien. Allez, yes! Par contre, j'aimerais bien avoir un coffre, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Vraiment plaisir. Un petit coffre, s'il vous plaît! Un petit coffre? Non, non, personne. Non, pas envie. Lol. Alors, il me semble qu'après, il y aura des sortes de serpents de glace qui vont apparaître. Genre ça. Ok. J'ai failli me faire tuer, là. Génial, quoi. Oh non, c'est pas possible, en plus le boss, je sais même plus à quoi il ressemble. Un coffre s'il vous plaît, au moins pour me donner une armure, j'ai failli me faire buter, c'est génial. Un coffre? Un coffre? Non! Non 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 non! Youpi! Je me suis fait niquer comme une grosse merde. Mais c'est pas marrant. Oh non, t'es pas sérieux là, je reprends depuis le début. Vas-y là, je te fais le grand chelem. Truc de ouf. Ok, super. Là, je te fais le grand chelem sans me faire toucher parce que je suis trop un big boss. Ou pas, lol. Allez hop. Normalement là je perdais une vie, tu vois. Hop, in your face. Ok, 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 ça roule, ça roule! Ça roule pépère! Ok, nickel. Ok, normalement, ouf, ça devrait aller là. C'est surtout pour le monstre bizarre, ça me fait chier, quoi. Ok. Bon, j'ai pas besoin de leur taper autant, mais bon. Ah merde. Non, il faut que je passe par en bas. Mais par en haut, je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir un coffre, en fait. Oupa. Ok. Putain, et je me suis fait niquer par les... Oh non. Oh, je vais perdre toutes mes vies ici, ça va être marrant. Le let's play va se terminer là, quoi. Génial.
Génial, super. Il me reste 2 vies, hein. Alors ça, c'est épique. C'est génial. Simplement génial. Meurs, saleté va. Bon, normalement, je devrais bientôt gagner une vie. Je dis bien normalement, lol. Je dis bien normalement, mais il me reste à peu près 4100 points à avoir pour obtenir tout simplement une vie. Ça pourrait me sauver la vie. C'est ce à quoi sert les vies d'ailleurs. Ok. Quoi, j'ai même pas gagné de vie? C'est une blague? Toudou. J'ai fait me faire toucher. C'est horrible. Je crois que du coup en fait ça sera Ah putain. Non. Je me casse. Non. Non. Il arrive. Bon, c'est pas grave. À partir de ce moment-là, je reviens ici, donc c'est bon. Regardez sur la carte, je suis arrivé là. Ce monstre, il est horrible. Il est super difficile à tuer. Putain, c'est une blague, là. Désolé pour les insultes, mais je suis très énervé là. Parce que je vais me faire niquer, ça va être génial. Ok. Avalanche. Vite. Voilà, ça faut le savoir, hein. Franchement, quand tu joues la première fois, tu peux pas le savoir qu'il faille faire ça. Ouf. Oh, j'ai géré là. Et franchement, j'ai de la chance. Pas le boss là quand même. C'est le boss. Non, je vais mourir. Je vais me faire niquer la gueule. Super. Je savais plus ce qu'il faisait. Il me reste 0 vie. Bon allez, on rush.
Putain, mais je gagne même pas de vie, quoi. Je crois que c'est en fonction des stades au début, t'en gagnes fastoche. Et après, t'en gagnes quasiment plus. Ok, donc il suffit juste que je garde mon armure, en fait. Hop. Ok, donc... Si j'arrive à garder mon armure... Pardon. Si j'arrive à garder mon armure, c'est faisable, honnêtement. Oh mon dieu. Non, non, non. Mais il faut la garder son armure. C'est le plus dur. Voilà, nous sommes arrivés au boss. Et donc la suite, ça sera marrant avec zéro vie. Ah putain, j'avais zappé qu'il faisait ça aussi. Descends ! Descends ! Descends, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Yes! Ah bah quand même, punaise. Zéro vie, quoi. Énorme. Bon, cet épisode sera un peu plus long, 22 minutes. Donc, voilà. Bon, j'ai vraiment très mal joué. Je suis vraiment deg. Mais au moins, j'ai réussi à passer de niveau. Il nous en reste à peu près deux, il me semble. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce troisième épisode de ce Let's Play sur Super Ghouls and Ghosts. Et je vous dis, ben... à la prochaine pour l'épisode numéro 4. Voilà. Salut à tous !